À quelques semaines du mariage du prince Harry et Meghan Markle, le parfumeur de la reine a créé un parfum pour la future duchesse pour qu'elle le porte le jour de son mariage. Floris est le seul parfumeur anglais à être mandaté officiellement par la famille royale depuis 1820. Il est le parfumeur de la reine Elisabeth II et a conçu un parfum pour Meghan Markle pour qu'elle le porte le jour de son mariage avec le prince Harry. L'eau de parfum créée pour la future duchesse est décrite par la marque comme mêlant des notes d'agrumes à des senteurs plus florales. Une fragrance qui évoque la chaleur d'une brise de la mer Méditerranée, décrit la marque, comme le rapportent nos confrères du Daily Mail. Le parfum créé pour Meghan Markle ressemble beaucoup à une fragrance de la marque qui existe déjà, a confié Amalia Roble, manager de l'iconique maison Floris au magazine People. Un parfum unisexe mêlant notes d'agrumes et boisées. Le parfum est intitulé Bergamotto di Positano. L'autre info, Meghan Markle n'était pas obligée d'être baptisée par l'église anglicane pour se marier avec le prince Harry le 19 mai prochain. Mais elle y a tenu, comme le rapporte le Daily Mail. Meghan Markle a été baptisée le 6 mars par l'archevêque de Canterbury au cours d'une cérémonie de 45 minutes organisée dans le plus grand secret dans la chapelle royale, où a eu lieu le baptême de son neveu, le prince George. Elle a également été confirmée et peut désormais partager l'Eucharistie avec Harry.